Et c'est le journal créatif de la semaine. Alors, je souhaite tous la bienvenue et bienvenue également aux nouveaux et nouvelles qui sont arrivés sur ma chaîne. J'espère que vous vous trouvez bien sur ma chaîne en regardant mes vidéos, ça vous plaît. Mais non, c'est rien. Pacha. Alors, je vous explique. La télé fonctionne, elle est sur une chaîne vidéo, là, mais j'ai pas mis le son. Mais il y a un chat qui vient de passer dans la vidéo. Et Pacha n'aime pas les autres animaux. Il n'aime que ce qui est dans la maison, ce qui est à l'extérieur ou qui passe à la télé. Il n'aime pas. Voilà. Allez, va au panier. Oh, et lui, il est parti avec son coussin. Bon, ça commence bien. Allez. Pacha. Et, allez, il est parti le chat. Va au panier. Bon, oui, écoutez, il ira au panier quand il en aura envie. Oui, donc, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Alors, si, de temps en temps, il ne faut pas s'inquiéter, hein, c'est comme ça sur la chaîne. Il y a les animaux à la maison, donc ça passe, ça aboie, ça pleure, ça... Il y a papa, Fifi qui va passer devant, voilà, la voilà, justement. Ben, c'est la vie réelle, ici, sur ma chaîne. Voilà, les animaux sont rois, voilà. Et, bon, bah, c'est comme ça. Alors, il y a Fifi hein, qui vous dit bonjour, bonjour, ça va les copains, les copines? Non, tu regardes dehors? Non, oh non, 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 pas maintenant. Popouf. Il va y avoir aussi les post-pipi, hein, des poilus. Alors, aujourd'hui, alors, je vais vous montrer comme d'habitude tout ce que j'ai fait dans la semaine. Alors, il y a avec du DP, de la broderie, tricot, crochet. Voilà. Là, cette semaine, bien sûr, il n'y a rien d'autre, mais il peut arriver des fois qu'il y ait d'autres loisirs créatifs qui viennent s'intégrer un petit peu dans la semaine. Mais bon, en ce moment, non. Mais ça va, je pense que ça va bientôt venir. Alors, cette semaine, bah, comme d'habitude, hein, j'avais prévu pas mal de choses. Bon, Fifi, maman, oui, cri. Hop, voilà. J'avais prévu pas mal de choses, comme d'habitude. Alors, d'abord, il y avait mon challenge que je fais toutes les semaines. C'est un challenge que je me fais personnellement. Que je prévois de faire minimum 3000 croix
par semaine. Voilà. Donc, je vous dirai tout à l'heure si j'ai réussi mon petit challenge perso. Vous savez aussi que maintenant, pour certaines créations, enfin certaines broderies ou le tricot, je fais un tirage au sort avec une roue sur ma tablette pour savoir ce que je vais faire la semaine prochaine. Fifi, bon, bah, va voir là-bas si j'y suis, merci. donc, la roue et moi, on avait choisi, alors en HAED, je devais faire la japonaise et le paysage. Vous savez que je fais 2, 3, 4, je suis en train de réfléchir si, non, il ne m'en manque pas là, tout est là. J'ai 1, 2, 3, 4 HAED et une grande broderie. Je la compte comme un HAED, mais c'est une broderie couverture totale que la grille, je l'ai faite moi-même suite à, avec une image gratuite. Voilà, je vais y arriver. C'est dur ce soir. Donc, en HAED, la roue m'avait dit de faire la japonaise et le paysage. En broderie, là, il n'y avait pas de tirage au sort. Comme d'habitude, il y a les ronds bleus de chez Lanart, les pans royaux de chez All Forest, le toast à l'œuf de Magic Needle, le Bouddha de poussière d'étoile, la grenouille de poussière d'étoile et le jus de carotte de Lily Point. Ensuite, j'avais en estampé, j'ai la fleur, une fleur que je fais par mois, voilà. Et j'avais tiré au sort le cheval et la dame de Noël, voilà. Ensuite, il y avait également les salles. Alors, les salles, il y a le salle mystère de poussière d'étoiles, le salle colibri que j'organise, mais que c'est un modèle de poussière d'étoiles, Alice au pays des merveilles, All Forest, modèle All Forest, le salle du Nouvel An que j'organise moi-même sur mon groupe, le salle de la maison météo avec une de mes créations personnelles, le salle All Forest que Julia organise et le salle les ours de Noël All Forest également que j'organise sur mon groupe. Alors les nouveaux qui sont sur ma chaîne, n'ayez pas peur, hein, ça va. Je fais beaucoup de choses, mais bon, des fois je ne fais pas tout. Hein. Et en tricot, bah, comme d'habitude, alors, le tirage au sort avait sorti le pull de chouchou et le pull camionneur en sachant qu'il y a, tiens, j'ai marqué deux fois le pull chouchou, qu'il y a donc le pull chouchou, le pull fil d'art, le pull armel et le pull camionneur. Voilà, donc on verra à la fin ce que j'ai fait en tricot. Et bien sûr, il y a les couvertures météo, alors celle de l'année dernière, 2023, et celle de cette année, 2024. Et le DP, voilà, tout ce qui était prévu pour cette semaine. Oui, je sais, je suis folle. Bon, beaucoup me demandent comment je fais pour en faire autant. Voilà. Je ne travaille pas. Voilà, donc c'est déjà... c'est pas une excuse, hein. Enfin, je cherche le mot, mais enfin, vous m'avez compris. J'ai les poils à fifi. donc, je ne travaille pas, je suis en invalidité depuis 2019, donc je suis chez moi, à part quand je fais les courses, que je vais au médecin, que je vais faire un truc ou quoi. Bon, voilà, j'ai du temps. Donc, c'est pour ça que je peux faire beaucoup de choses. Mais des fois, je me dis, il faudrait quand même que je ralentisse, parce que... L'âge venant, surtout que là, je prends beaucoup de plaisir maintenant à faire mes HAED. Et les HAED, ça prend
énormément de temps pour les faire entièrement. Donc des fois, je me dis qu'il faudrait que je ralentisse un peu. Mais bon, pour ralentir, il faudrait déjà que je termine ce qui est commencé. Alors, on va commencer. Bon, elle, elle est là, hein, je vous montre. Voilà. Ça va être pratique, hein? on va commencer donc par le DP. Alors, le DP, vous pourrez voir que les cases restantes ne sont plus cachées, à part qu'il y a du papier de protection dessus, parce que le papier noir ne tenait plus. Mais comme il reste plus que 7 semaines à faire, c'est pas très grave. De toute façon, vous êtes beaucoup à avoir déjà deviné ce que c'était. Voilà. Alors, il me reste donc 3 cases, 1, 2, 3. Donc là, cette semaine, vous n'aurez pas à voter de numéro de case, puisque je vais le terminer cette semaine. Donc voilà, vous voyez ce que c'est hein, maintenant. C'est plutôt rigolo. Donc c'est un petit singe qui est aux toilettes. Voilà. Bon, il est bien à faire. Hein. Bon, il va falloir que je... J'ai quelques perles qui sont déviées un petit peu là, mais bon, c'est rien, je vais les redresser. Et quand il sera terminé, je vais passer la réglette bien partout pour bien redresser et que ça ne bouge pas. Ouais, donc il était sympa à faire. Voilà. Bon, j'aime bien, hein. Il est chouette quand même. Donc voilà, le DP, j'ai fait mes deux cases. Alors les deux cases, j'ai fait une qui était ici et là. Là, ouais, bah là, ici. Voilà. Donc, bah, le DP est bientôt terminé. La semaine prochaine, il sera fini. Après, je verrai. Je vous avais dit, je sais pas. Bon, malgré que j'ai deux nouveaux DP que j'avais reçus, je ne sais pas encore si... Je pense que je vais faire une petite pause DP pour reprendre un peu le coloriage. Et je reprendrai le DP... courant du mois prochain, ou alors si c'est le mois d'après, c'est pas très grave, mais je verrai suivant mon humeur. Alors on est maintenant dans la rubrique broderie. Alors la rubrique broderie, qu'est-ce que je vais vous montrer d'abord? Alors je... Oui, bon, je tire un peu au hasard. Alors, ça, c'est le salle Alice au Pays des Merveilles que j'organise sur mon groupe. Voilà, hop, c'est un petit peu l'effet. Alors, j'étais bien partie pour le faire, mais... enfin, j'ai avancé, hein, j'ai avancé. Mais j'ai pas pu faire plus parce que ce jour-là, on a été rechercher la voiture au garage. Je l'ai posée. Puis quand on est revenu, parce que comme on a été faire des courses du coup après, bon, il était tard pour que je continue. Ah, j'ai pas piqué. Si, j'ai piqué mon aiguille. Donc j'ai pas continué, mais j'ai jusqu'à la fin du mois pour terminer ma partie. Voilà, donc là j'ai fait ici, voilà, et cette partie là donc où est-ce que je l'ai marqué? Oui, j'ai fait environ 250 croix, voilà. Donc, ça avance tout doucement, mais sûrement. De toute façon, on a le temps.
Comme j'ai dit, on fait environ 1000 croix par mois. Donc, ça avance doucement, mais sûrement. Voilà. Et j'aime bien le choix que j'ai fait pour ma toile. Donc, c'est une étamine en 12,6 fils, bien sûr. Je dis bien sûr. Ceux qui me connaissent, bon, ils savent. Ceux qui ne me connaissent pas, non, mais c'est ma toile de prédilection, ça. L'étamine 12,6. Et ici, c'est une toile couleur vert olive. Voilà. Une toile que j'ai eue, ouais, je crois, à la maison du canevas, normalement. Je confonds toujours un peu, puisque moi, il y a trois boutiques où j'achète des toiles. Maison du canevas, Univers Broderie. Et de mère en fille. Voilà, ce sont les trois boutiques où j'achète des toiles. J'en achète pas ailleurs. Voilà. Donc, ça avance. Donc là, je vais terminer ici le bas et je verrai si je suis à mes 1000 points ou pas. Ou si j'y suis pas, c'est pas grave. Le principal, c'est d'avancer. Alors celle-ci, c'est un peu particulier parce qu'on peut pas, je ne sais pas la mettre dans Pattern Keeper. Donc je la travaille sur, sur papier. Mais ça va, la grille est facile à lire, donc il n'y a pas de souci. Est-ce que je l'ai fait lui? Oui. Alors, je ne sais pas si vous allez beaucoup voir la différence, mais j'ai quand même travaillé dessus. Pas beaucoup, par contre. Pas beaucoup. J'ai fait combien? 173 points seulement. Donc, c'est pas beaucoup. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas si vous allez beaucoup voir la différence. Voilà. Oui. Mais commence à bien prendre forme, hein, par contre. Donc là, pareil, je suis contente de la toile que j'ai choisie. Étamine, bien sûr. 12,6. Et c'est une bleu ciel. Voilà. Donc pareil, c'est une toile qui vient aussi, je pense, de la maison du canevas. Il faudrait que je regarde sur mon cahier d'où elles viennent mes toiles. C'est parce que bon, je ne marque pas toujours en plus. Donc du coup, des fois, je ne sais plus. Mais voilà, donc petit Bouddha avance doucement mais sûrement. Et il me plaît beaucoup. J'ai quand même hâte de le terminer parce qu'il est vraiment très beau. Donc ça, c'est un modèle gratuit de poussière d'étoiles. Voilà. De Sabine. Donc il vous suffit d'aller sur sa boutique, vous faites comme si vous faites une commande, voilà, vous allez dans la rubrique broderie, enfin je sais plus, fiche de broderie je crois c'est marqué, et il y a modèle gratuit, donc vous allez dessus, vous allez voir qu'il y en a plusieurs, il doit y en avoir 6 je crois, et donc vous choisissez celle que vous voulez, vous faites comme si vous faites une commande. Et arrivé à la fin, de vous n'aurez pas à payer, mais vous pourrez télécharger tout de suite la grille. Bon, je vais pas le fermer, c'est pas grave. Voilà, ensuite ça. Ah oui, je suis très en retard, mais bon. Il y a un proverbe qui dit que c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Hein, alors, moi, je suis très mal chaussée. Hop. Hein. Voilà. Normalement, alors ça, c'est le salle du Nouvel An. Salle du Nouvel An, c'est un salle que j'organise. C'est le deuxième que j'organise, qui démarre donc le 1er janvier. C'est pour suivre la tradition des brodeuses. Qui est de commencer une broderie le premier de l'an
pour se porter chance toute l'année. Voilà. Et donc, cette année, on avait fait sur le thème automne ou hiver. J'avais donné le choix. On pouvait faire en points comptés, en estampés. Voilà. J'avais donné une moyenne d'une broderie 40-30, mais bon, il y en a qui sont un peu plus petites, il y en a qui sont un peu plus grandes, mais ça, c'est pas grave. Principal, c'est toujours la même chose, c'est de broder ensemble et de prendre du plaisir à faire un ouvrage. Alors, moi, alors on est arrivé à l'étape 4 depuis le 1er avril, et moi, je suis toujours à mon étape 3, mais là, ça va, elle se termine, elle se termine. Alors, voilà, bouge Fifi. Non, pas la queue. Voilà. Alors, voilà, donc là, il y avait, là, c'était la 1, la 2, et ici, on a la 3. Voilà. Donc, bon, elle est presque terminée, hein, la 3. Je vous la montre de plus près si j'y arrive. Voilà. Vous voyez, elle est presque terminée. Là, je fais une séance, une petite séance dessus et elle sera finie. Voilà. Alors, celle-ci, alors c'est pareil, c'est sur papier pour la mienne, puisque moi, c'est un modèle de Magic Needle. Non, autant pour moi. C'est un modèle de chez Riolis. Voilà. Et c'est pareil, j'ai fait environ 250 croix dessus. Donc, moi, je me donne toujours une moyenne minimum 250 croix par ouvrage par semaine. Donc, voilà, si je fais plus, c'est bien. Bon, si je fais un petit peu moins, comme tout à l'heure, le Bouddha, c'est pas grave. Mais je me fais une moyenne de 250 croix par ouvrage. Mais j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup le résultat. Parce que, alors, je ne sais pas si vous allez voir, voyez, niveau d'épaisseur, comme c'est un fil laine et acrylique, il est un petit peu fluffy et moi j'aime beaucoup. Il y en a qui n'aiment pas, hein. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, qui n'aiment pas cette texture pour broder. Mais voilà, bon, il en faut pour tous les goûts, hein. Donc là, on est le 19, je crois. Je pense que ça va être juste pour que j'arrive à faire à terminer cette étape-là et à faire l'étape du mois. Je ne sais pas. On verra. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, alors attendez. Oui, hein. Oui. Non, c'est pas là. Oh, j'ai mon nez qui gratte. J'ai toujours le nez qui gratte. Oui, c'est là. Je suis contente. Bon. Là, je suis aussi très en retard puisque le sale est terminé depuis un petit moment. Mais j'ai terminé l'étape 4 du sale. Alors, je vous remettrai une photo entière. Voilà. J'ai terminé l'étape 4 du sale mystère. Donc, hop, du sale mystère de poussière d'étoile. Voilà. L'étape 4 est terminée. J'ai fait aussi mes petits points arrière. Je suis contente. Je suis contente. Alors là, la prochaine étape, c'est celle qui est juste au-dessus. Oui, c'est ça. Alors, celle qui est juste au-dessus, elle va aller très, très, très vite. Il n'y a pas grand-chose à broder, donc ça va aller vite. Après, je vais repartir de l'autre côté, à l'opposé, si vous voulez. Vous voyez, là, hop, donc ici en haut. Je vais repartir là. J'aimerais bien pouvoir faire les deux étapes. Parce que ce sont les deux plus petites, si je ne me trompe pas. Et si je pouvais faire ces deux étapes-là cette semaine, bah, ça m'arrangerait parce qu'il m'en resterait plus que trois.
Voilà. Mais j'adore toujours autant le faire. Hein. Voilà. Donc, je suis contente, j'ai fini l'étape 4. Ouais. Je crois que ça fait un mois. Ouais, ça fait plus d'un mois maintenant que le sale est terminé. Hein. Mais bon. Je sais, il y en a qui vont. Il y en a qui me l'ont déjà dit. Hein, que si j'avais moins d'ouvrages en route, ben, j'aurais moins de retard. Oui. Oui, c'est vrai. Mais bon. Ça ne me dérange pas. Ça, c'est... Oui, ça. Alors, vous vous rappelez que la semaine dernière, je vous avais dit que je n'avais pas été en forme. Et quand j'ai fait celui-là, j'avais fait quelques croix et j'avais dû arrêter parce que bah, j'ai fait une migraine ophtalmique. Et du coup, je n'ai pas pu continuer. C'est le sale des ours de Noël. Voilà, donc c'est un modèle All Forest. Donc j'avais juste fait le petit bout des papates, là, je crois. Voilà, je crois que j'avais fait ça. Donc là, le pull, j'ai attaqué le pull. Alors, j'ai remarqué sur mon groupe, pour celles qui font le sale, j'ai l'impression, il faudra que je vérifie, mais qu'il y en a plusieurs qui ont oublié de faire les... Alors, soit des points nœuds, soit des perles dans le pull du nounours. J'y pense en voyant mes perles et il faudra que j'en parle sur le groupe. Voilà. Donc, moi, j'ai mis des perles. Ce que les points nœuds, c'est pas ce que je préfère. Donc, les perles, c'est bien. Ça donne un peu de relief. Voilà, voyez. Et, bon. Lui, j'espère l'avoir terminé pour la fin du mois. Alors, lui, il est fait sur une toile. Le sale mystère, c'était pareil. Hein, c'est une étamine 12.6, mais écrue, enfin blanc cassé. Ici, c'est une étamine aussi 12.6. C'est une toile colorée à la main, couleur jean, fait par la boutique Tom et Lily Création. Voilà, c'est une toile, j'en avais gagné 3 ou 4, je ne sais plus, dans cette boutique, sur un concours sur Instagram. Voilà. Et donc, ça, c'est une des toiles. Voilà. Et j'aime bien le choix également que j'ai fait pour cette toile. Donc là, on fait un nounours par mois. Voilà. Donc, vous voyez, il y en a 6. Là, on est en train de faire celui-là. Donc, il y a 1, 2... Il y a 3 nounours garçons et 3 nounours filles. Voilà. Alors, il y en a qui ont fait, parce qu'il y a une autre version aussi, une version plus colorée. Il y en a qui ont fait la version colorée. Et j'en ai une qui a fait une version colorée, mais avec ses couleurs à elle. Donc, quand le mois sera terminé, là, je pense que je vous ferai une petite vidéo short. Il faut d'ailleurs... Je ne trouve jamais le temps de le faire et depuis le mois de janvier, j'en ai pas encore fait. Il faut que je vous fasse des petites vidéos diapo, enfin des petites vidéos short pour vous montrer tous les ouvrages de tout le monde dans les différentes salles qu'on organise sur le groupe. Voilà, il faut que je pense à vous les faire. Alors, vous aurez compris qu'aujourd'hui, il va y avoir une pause pipi. Voilà, je vais leur ouvrir la porte, mais moi, je reviens tout de suite. Voilà, la pause pipi poilue est faite. Oula, faites pas tant. J'ai pas vu. Bon, on va se mettre comme ça, vous verrez pas. Il y a une petite tache à mon pull, j'ai pas vu. J'ai fait rien, c'est pas grave. Alors, j'en suis où?
Alors, le colibri, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas fait le colibri cette semaine. Alors, celle que je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait le colibri. Je n'ai pas fait le sale All Forest de Julia. D'ailleurs, là, je commence à prendre du retard. Enfin, je suis encore dans les clous, hein, mais je commence à prendre du retard. Je n'ai pas fait non plus mon toast à l'œuf, ma grenouille et mes carottes. Oui, mes carottes sont pas faites. Mais bon, ce sera. Là, c'est vrai que je commence à en avoir beaucoup, donc je n'arrive pas à tout faire des fois sur la semaine. Ça se comprend, hein. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer encore? Donc là, c'est ce que je n'ai pas fait. Hop. Voilà. Donc cela, c'est bon. Je vous ai tout montré pour le sac. Ensuite, alors, je fais une petite pause. Alors, j'ai pas fait d'achat. Pas fait d'achat, hein. Non. Mais j'ai manqué. Alors, je suis en pourparlers avec moi-même en ce moment. Ça fait. Alors, je vous en ai peut-être déjà parlé, j'en sais rien. Il y a une créatrice que j'aime beaucoup. C'est Martina Rosenberg. C'est elle qui fait les broderies châtelaines. Voilà. Et en ce moment, chez Casa Semina, il y a des promos. Je ne sais plus jusqu'à quand, mais enfin, je crois qu'il y a encore une semaine de promos. Et je me tâte. Je me tâte parce que je rêve depuis des années d'avoir une châtelaine et si je mens, j'en ai une fois et j'ai jamais eu le courage de la commencer parce que c'est un boulot monstre quand même, ces broderies-là. Et je ne l'ai jamais attaqué. D'ailleurs, même je l'avais revendu. Et maintenant, je le regrette. Enfin, la personne qui l'a acheté, elle ne le regrette pas parce qu'elle a eu un très bon prix. Et maintenant, je voudrais m'en acheter une. Mais alors, j'ai une petite voix qui me dit oui, une petite voix qui me dit non. La petite voix qui dit oui, ben, c'est parce que j'aime, que j'ai envie, voilà. La petite voix qui me dit non, c'est qui me dit ben, déjà le prix. Bon, malgré que c'est en promo, il y a le prix parce qu'il y a beaucoup de fils spéciaux dans ce style de broderie. Il y a des perles, il y a plusieurs sortes de perles, hein. Il n'y a pas que des petites, hein. Il y en a des grosses, des plates, voilà, il peut y avoir de tout. Des fils, genre des fils céramiques, des fils, toutes sortes de fils. Il y a du DMC dessus quand même, mais voilà, il y a plusieurs sortes de fils. Et j'hésite, j'ai vraiment envie. Mais les modèles qui me plaisent vont être aussi grands. C'est des modèles qui vont faire. Il me faudra une toile de genre 70 sur 70 cm pour la faire. Donc vous pensez bien que c'est un ouvrage qui va me prendre aussi beaucoup de temps. Donc ça, la petite voix qui me dit non me dit, ça va te prendre du temps. Alors, les pour, c'est j'adore. Voilà, j'adore.
Et les contres, c'est ben, le prix, le temps qu'il va me falloir pour broder, toutes les fournitures qu'il faut que j'achète en plus. Voilà. Donc, je ne sais pas encore. Je réfléchis encore. Mais voilà, je vous montre quelques modèles comme ça. Voilà, vous voyez. Alors peut-être que vous connaissez déjà, hein, mais oui. Alors moi, il y a un modèle que je voudrais absolument. Il est où? Ah, il est là. C'est celui-là. Celui-là, je l'adore. Est-ce que j'arrive à vous le mettre en grand? Oui. Voilà. Bon, il n'est pas très très net là, mais voilà. Celui-là. Celui-là, je l'adore. C'est l'Egypt Garden. Voilà. Et il est trop trop beau. Il fait 308 points sur 308. Donc, il me fera peut-être une toile un petit peu plus petite. Mais voilà. Mais je ne sais pas, je réfléchis. Parce que là, vous voyez, la toile, pas la toile, la grille. Rien que la grille, là, elle est en promo. Donc, sans la promo, elle est à 43 euros. Avec la promo, elle est à 32. Mais après, il y aura toutes les fournitures. Donc, tous les fils, les perles, les fils spéciaux, les. C'est un ouvrage qui peut aller entre 100 et 150 euros. Donc, alors je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Vous voyez, par exemple, là, hop, je vous montre un fil. Ah, vous verrez, bon, vous ne verrez pas grand-chose, mais. Alors, et il est en promo, hein, là, le fil. C'est le Dinky Dyes, voilà. Donc, c'est un fil qu'on va utiliser beaucoup dans ces broderies-là. Il est à 6,44 €. Il y a 8 mètres, hein. C'est des échevaux de 8 mètres seulement. C'est des fils teints à la main en partant de. C'est des fils de soie teints à la main. Et le prix est de 6,44 € pour 8 mètres. Là, en promo, il est à 4,83 €. Mais vous voyez, s'il m'en faut 5, 6, plus, voilà. C'est vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, je sais pas. En sachant que j'attends aussi, enfin j'ai pas commandé encore hein, parce que là pour l'instant il est en rupture, j'attends pour commander une nouvelle grille de mère en fille, c'est la boutique de mère en fille. Donc voilà, je commence à me dire, bon, faut que je réfléchisse, il y a mon âge, il y a le nombre d'années combien d'années je vais encore pouvoir broder, voilà. On sait jamais, hein, et donc d'avoir plein de grands ouvrages en route, voilà. Donc, je ne sais pas quoi faire. J'ai envie, j'ai trop envie, mais il faut que je reste raisonnable. Alors, il y en a des mini hein, dessus, sur les châtelaines, il y a des mini. Par exemple, alors un mini, en plein ici. Vous voyez, il fait 101 sur 101. Donc là, voilà, c'est. Voilà, il y a ces 6-là en mini. Et là, c'est vraiment des petits. Donc, à moins que je prenne un petit comme ça, mais je sais pas. Je ne sais pas, mais j'ai trop envie.
suis insupportable. Parce que, en plus, je pense pas que je vous l'ai montré. Alors, c'est pareil, hein, j'ai pas décidé encore. Alors, attendez, je vais sur ma page. J'ai pas encore, c'est pareil, je suis en mode réflexion. Où est-ce que je l'ai mis? Allez. Attendez, j'y arrive. Ça vient. Ah, voilà. C'est d'une beauté. Mais pareil, c'est un grand modèle, donc il faut une toile 70 sur 70. C'est un HAED. Mais regardez-moi cette beauté. Il est trop, trop, trop beau. C'est un Whitson. Il est trop beau. Alors, bon, il est vraiment très beau. Par contre, je me dis, le truc va faire 70 sur 70. Il va y avoir une grosse baille en plein milieu. Ça peut faire peur à certains, peut-être. Mais il est vraiment trop, trop beau. Mais bon. On va rester sur sa réflexion pour l'instant. Et puis, on verra. Ce qu'on fera. Regardez, il y a celui-là aussi en ce moment. L'achat ED. Alors attendez. Hop, voilà. Regardez. Sont trop magnifiques. Mais. Oh, ah ouais, là, il faut. Donc voilà. Bon. On va rester sage pour l'instant. Et puis on verra bien. Alors, cette petite pause faite, on va continuer. Ah non, j'en ai encore un à vous montrer. J'ai encore une broderie à vous montrer. Voilà. Hop. Ah, mais si, j'ai oublié quelque chose. Je vais les prendre derrière, c'est pas grave. Il est là. Hein, j'ai fait aujourd'hui. J'ai fait mon héron de la natte. Voilà. Voilà mon petit héron. On commence à voir sa tête. Hein. Vous voyez? Enfin, il y a deux hérons à broder. Mais là, on commence à voir bien sa tête. J'aime beaucoup. Alors, il me reste encore des petits points par-ci, par-là à broder là dans pour terminer cette page-là et ici à finir. Vous voyez là, j'ai commencé à continuer ici le demi-point, voilà. Et j'aurais fait déjà une demi-page, je crois. Ouais, je crois que c'est une demi-page là. Mais là. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà. Alors le héron, j'ai fait 253 environ. Parce que celui-là, il se fait aussi sur papier. Il ne se fait pas sur Pattern Keeper. La prochaine page, je vais essayer de la mettre sur Pattern Keeper. Comme ça m'aidera un peu plus. Et ça me permettra de vous montrer une nouvelle option qu'il y a sur Pattern Keeper. Alors, attendez, je prends ma pochette là-bas. Voilà, j'avais oublié cette pochette-là. Alors, les estampés. Et après, on verra les grandes broderies.
Donc, on avait tiré au sort avec l'un coup le cheval et la dame de Noël. Alors, j'ai avancé un peu les deux. Alors, la dame de Noël d'abord. Alors, j'ai continué à avancer mon rouge ici. Voilà. Et j'ai également avancé. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, vous voyez, j'ai avancé le doré ici. Voilà. C'est compliqué à vous montrer, mais vous voyez tout ce qui est les parties brillantes là. C'est fait avec le fil diamant de chez DMC. Voilà, le fil doré diamant. Mais bon, je suis contente de l'avoir repris. Que vous voyez, sa robe est vraiment très très belle. Bon, il y a beaucoup de doré dans le bas. Après, il y en aura sur les côtés. Voilà. J'ai pas encore. J'attends de finir cette partie de robe là, ici. J'attends de la terminer, de finir le doré. Là, il y a déjà les perles. Mais bon, vous les verrez pas bien ici à l'écran. Mais de toute façon, on les voit pas bien, les perles. Hein. On ne les voit pas bien. Faut mettre le nez dessus pour les voir. Mais c'est vrai que là, on ne les voit pas vraiment, vraiment bien. Là, il y en a. Vous voyez, alors, ici. Donc, après, je mettrai les perles. Voilà. Donc, j'ai fait ma dame de Noël. Et j'ai également avancé mon cheval. Alors, pas beaucoup non plus. Mais alors, je vous montre pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. J'ai travaillé ici le fond. Donc, il y a le cheval, j'ai fait... Pareil, un peu plus de 250 croix. Voilà, vous voyez tout le blanc. Enfin, c'est pas le blanc là, c'est 36-65, celui-là, je crois. Il est où? Le 24. Ah, il est là. Le 38-65, oui, c'est ça, c'est le blanc cassé, vous savez. Voilà. Donc là, c'est bien. J'ai tenu mes engagements. Hop. Voilà. Alors, je vais mettre là. Du coup, ça, je vais le mettre là. Alors, du coup, aujourd'hui, on va refaire un tirage au sort pour les estampés. Alors, je vous rappelle que sur la roue, il y a la dame de Noël, le cheval, le cerf et les lapins. Et je vais en tirer un pour le dimanche soir. Et je vais prendre mon crayon parce que sinon, hop, pour noter... Un pour dimanche soir et un pour dans la semaine si j'ai du temps. Voilà. Allez, hop, ça tourne. Tourne les manèges. Ah bah, la dame de Noël. Ce sera encore la dame de Noël. Pas la dinde, hein. Non, non, la dame. La dame de Noël. Voilà. Et un petit deuxième. Le cerf. Non, les lapins.
les lapins. Voilà. Voilà, donc la semaine prochaine, ce sera la Dame de Noël et les lapins. Mais en estampé, je fais également la fleur. Donc ça, c'est une fleur par mois. Il y en a 8. J'en suis à la 5e. Elle est bientôt terminée, on va dire. Et puis après, il y aura tout le point arrière. Mais bon, ça ira encore. Voilà où j'en suis. Et voilà, donc il me reste une, deux, trois couleurs à faire. Il me reste plus que trois couleurs à faire et ensuite faire le point arrière. Ça va. Donc elle sera, j'espère qu'elle sera terminée la semaine prochaine. Comme ça, ben. Alors normalement je la faisais en duo, je faisais cette série en duo, mais là je n'ai plus de nouvelles de ma binôme, donc moi c'est rien, je le continue, c'est pas grave. Donc là, il m'en reste encore. Quand j'aurai terminé celle-là, il m'en restera 3 à faire. Donc ça va. Alors, pour les estampés, c'est tout. Maintenant, les grandes broderies. Pas les HAED encore. Hein, les grandes broderies. Alors, les... oh, viens là, toi. Dans mes grands sacs. Alors, à chaque fois, vous me demandez où j'ai ces sacs-là. Sur mes boutiques partenaires que je vous présente régulièrement le lundi, vous en trouvez sur VIP Crostiche, Bigas Craft, voilà, toutes ces boutiques, ils ont ces grands sacs là. C'est vraiment pratique. Oh, je suis contente depuis le temps que je les ai. Au moins mes broderies sont à l'abri de la poussière, de la lumière, de voilà. Hop, ma maison météo. Voilà. Alors, j'ai fait... j'en ai fait deux. Non, trois. Ouais, j'en ai fait trois. J'ai fait les trois boiseries des fenêtres ici. Voilà. Et j'ai fait ma... Alors, il me reste samedi et dimanche. Donc, ça, ce sera fait dans la journée. Pour terminer la semaine. Alors vous voyez, on est encore dans le bleu, hein, dans le nord. On a eu quelques jours, enfin pas beaucoup, mais deux la semaine dernière, un la semaine d'avant, où on a eu un peu de chaleur, mais voilà, c'est un peu compliqué, hein. Voilà, nous on est passé du 22-23 le samedi, au 12 le dimanche. C'était vachement sympa. Alors, ma maison météo à l'avance. De toute façon, elle se terminera le 31 décembre. Donc, voilà, je ne suis pas en retard. Enfin, je ne suis pas en retard, mais je suis en retard sur la structure. Parce que normalement, la structure, on devait la terminer le 31 décembre dernier. Mais moi, j'ai pris beaucoup du retard. Et puis, bah, comme d'habitude. Et voilà. Donc, je fais ma structure au fur et à mesure. Donc, elle sera terminée pour le 31 décembre. Ici, à la fin de l'année. Voilà. Donc, ça, c'était ma maison météo. Alors, la maison météo, j'avais fait... Alors, attendez, là, ça commence à être le boxon sur la table.
ma maison météo. Elle est là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, 350 croix. Donc, ça va. Donc, ça, je mets par terre 2 minutes. J'ouvre ça après pour le HAED. Allez. Voilà. Ensuite, dans les grandes broderies, toujours un grand sac. Il commence à devenir lourd, les sacs. Oh, mais alors, mon nez. Ah, bien sûr, je l'ai mis au milieu. Super pratique. Alors, c'est pas celle-là tout de suite. C'est celle-là. Enfin, mes pans royaux de chez All Forest. Voilà. Alors, j'ai terminé le dragon ici. Je l'ai entièrement terminé. Donc, il y en aura un deuxième là. Hein. Donc, celui-là, il est fait sur une toile. Et pareil, étamine 12.6, vintage rose. Voilà, c'est une vintage rose. Alors, celle-là vient de Univers Broderie. Voilà. Et je brode avec un vrai DMC. Un vrai DMC, c'est le numéro 550. Voilà. Donc, le petit dragon. Alors, au début, je disais c'est un lion. Mais je ne sais pas. On dirait un lion, moitié dragon, moitié... je ne sais pas ce que c'est comme bestiole, mais bon, je pense plus que c'est un dragon, mais voilà. Mais il est joli. Alors... les grandes broderies, c'est bon. Oh là là, vous verriez le boxon qu'il y a sur la table. Là, c'est... ah. Après, je prendrai 5 minutes pour ranger, pour passer à la rubrique d'après. Bon, je vais prendre celle-là comme elle est sortie. Là, ouais, c'est bon. Je suis perdue. Ici, vous avez pu voir cette semaine que j'ai attaqué le chat. Voilà, donc c'est le HAED. Bon, il n'y a pas grand-chose de fait. Hein. Voilà, c'est ce que vous avez vu dans la vidéo. Alors, j'ai juste un petit regret sur cette broderie. Vous voyez, alors l'entourage, tout l'entourage de la broderie va être noir. Mais dans le noir, alors ça ne se voit pas du tout, du tout. Vous voyez, là, on dirait que c'est noir, mais c'est du 939. C'est, je ne sais pas pourquoi ils ont mis cette couleur-là. Parce que ben là, du coup, attendez, je remets bien ma pince parce que j'ai tout qui se barre et ça m'énerve. Du coup, on ne voit pas. On ne voit pas. C'est dommage. Parce que là, bah, du coup, on a des lignes à respecter avec le 939, le noir et tout, mais on ne voit pas. Alors, peut-être qu'après, quand tout sera brodé, ça se verra, mais je ne crois pas. Vous voyez, 939, là. Alors, vous voyez, ça fait des lignes comme ça. Mais... alors, même si... alors... même si je mets à la lumière comme ça. Non, on ne voit pas. On ne voit pas la différence. Et ça, c'est dommage. Voilà. On verra bien. Alors, par contre, vous avez vu sur le dessin,
il y a toute une bordure après le noir. Alors ça, c'est hyper confetti. Hyper confetti. J'espère ne pas regretter celle-là de broderie. Franchement, j'espère ne pas la regretter. Dira là, bon, je suis qu'au début, hein, donc si je suis pour changer d'avis, il est encore temps. Mais franchement, j'espère ne pas regretter parce qu'elle est vraiment. Je vais vous montrer. Oups, excusez-moi, je vous ai fait bouger. Pardon. Elle est vraiment très confetti. Alors, juste le temps que j'ouvre la page. Voilà, ici. Alors, je vous montre déjà cette histoire de noir et de 939. Même sur la grille. Voyez? Voilà. Ce qui est carré, c'est du 939. Et le carré noir avec le point blanc au milieu, c'est du noir. Oui. Et je crois que là, le créateur a mal choisi ses couleurs. C'est dommage. Alors, le dessin que je vous disais, alors je vous montre d'abord sur le dessin. Voilà, cette bordure-là, vous voyez, ici, entrelacée. Je vais vous montrer. Non, c'est pas là que je veux faire. Voilà. Je vous montre. Voilà, un carré, vous voyez. Regardez-moi ça. Bien sûr, chaque symbole, c'est une couleur différente, hein, vous voyez. Et donc, vous voyez comment c'est confetti. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de changements de couleur. Je sais pas, j'aime beaucoup cette broderie, mais je suis en train d'hésiter. Je suis en train d'hésiter. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Bon, là, c'est le début aussi, vous me direz. Bon, cette histoire du bleu 939 sur le noir, je trouve que c'est un mauvais choix. Voilà, c'est un mauvais choix. Et j'espère que le reste. Alors, je vous montre le chat, une partie du chat. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de changements de couleur. Voilà. Là, on est sur le chat. Voilà. Et voyez, même ici, par exemple, on est toujours sur le chat. Alors j'hésite. J'hésite. Franchement, là, j'ai un doute. Et j'ai d'ailleurs en plus encore un doute puisque j'avais pris alors est-ce que j'arrive à l'ouvrir? Parce que j'ai pris celle-ci également, vous rappelez, voilà. Mais là, par contre, bon, il y a pareil, hein, il y a du confetti, hein, également. Mais déjà, la bordure,
Alors je vous montre la bordure. Vous voyez, la bordure n'est que d'une couleur. Voilà, elle est noire. Noire, noire. Il n'y a pas de 939. Voilà. Bon, par contre, le dessin celtique, la bordure dorée, voilà, il y a aussi beaucoup de changements de couleur. Voilà. Alors, est-ce que je rechange tant que j'en suis là et que je fais la licorne au lieu du chat? Franchement, j'hésite vraiment, hein. J'hésite vraiment, vraiment. Je crois que cette histoire de... Ou alors j'enlève le 939, hein, parce que je vois pas ce qu'il vient faire là. Et puis je continue mon chat comme ça, je fais juste la bordure noire, comme pour la licorne. Parce que ça me perturbe ce 939 là, il me perturbe, et je vois pas ce qu'il apporte, il apporte rien du tout au dessin. Mais en fin de compte, j'ai craqué pour ces deux modèles, et maintenant que je suis sur un des modèles, bah, j'hésite complètement. C'est dommage, bon, c'est que je les ai achetés, hein, les modèles, donc c'est de l'argent perdu si je ne les fais pas. Mais je sais pas, je ne sais vraiment pas. Je vous tiendrai au courant. je vous tiendrai au courant, mais bon. Donc là, le chat, qu'est-ce que j'ai fait sur le chat? Il est où? Je ne sais plus où je l'ai mis. Ben, je ne l'ai pas marqué. Je l'ai fait quand, le chat? Ben, zut! C'est fort ça. Ah, ça y est. Oh. J'ai fait 234 croix. Voilà. Là, il y a 234 croix. Voilà. Donnez-moi votre avis. Allez-y. Lâchez-vous. Donnez-moi votre avis. Alors dites-moi, qu'est-ce que je fais? Je laisse tomber le 939 dans la bordure noire qui ne sert à rien. Je laisse tomber carrément cette broderie. Et j'en fais une autre à la place, ou je fais la licorne, ou voilà. Dites-moi. Parce que bon, là je vous dis, j'en suis juste au début, donc c'est pas grave. Je peux démonter ce que j'ai fait là et commencer autre chose. Mais donnez-moi votre avis. Parce que là, je vous dis, j'ai vraiment un gros, gros doute. Voilà. Donc, dans les HAED, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, du coup, j'ai fait ce qui était prévu. Hop, viens là, toi. Viens, maman. J'ai avancé mon paysage. Voilà. Donc, ça y est, j'ai attaqué la montagne. C'est comme de le dire, j'ai attaqué la montagne. Je suis dessus. Alors, celui-là, je l'adore. J'aime beaucoup les couleurs. Elles sont acidulées. Elles sont très jolies. J'aime bien les changements de couleurs. Là, voilà, celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. Et celle-ci, alors j'ai fait 310 croix, voilà, et j'en suis à 3,11%. C'est le début, hein, quand même. Mais celle-là avance bien, voilà. Là, je suis contente d'attaquer la montagne.
ça va me changer du ciel, malgré que le ciel, là, vous voyez, il est quand même... il est nuancé, donc ça va au niveau des couleurs. Mais je suis contente. Bon, il commence à y avoir du fil, hein, du fil parquet. Mais ça va, je m'y retrouve là. En fin de compte, au début, j'aimais pas de faire la méthode parking pour les fils, mais là, bon, ça va, je m'y fais. Ça... J'ai pris l'habitude et il n'y a pas de souci. Oh, là, par contre, j'ai pas piqué mon aiguille. Dans le sac, elle risque de se perdre. Je vais la piquer. Hop. Allez. Voilà. Celle-là, je l'aime beaucoup. On va la mettre là. Ensuite, ici. Alors, c'est bien un HAED, hein, mais il est sur un petit tambour. C'est ma japonaise qui avance aussi doucement, mais sûrement. Alors, on verra. Voilà, comme ça, vous voyez mieux les nuances. Voilà, très joli aussi, très agréable à faire. Alors, la japonaise, j'ai fait 414 croix dessus et j'en suis à 1,25%. En tout, il y a 945 croix de fait déjà. Enfin, déjà, c'est déjà un joli début, on va dire. Voilà. Ah, vous voyez, je préfère des modèles comme ça, le paysage, parce qu'il y a vraiment un mélange de couleurs. C'est pas confetti, mais il y a des nuances dans les couleurs. Et je reviens sur le chat, mais j'ai un problème. Ça, quand j'ai fait mes premières croix, j'ai bloqué, cette histoire du 939, là, je la digère pas. Et du coup, je sais pas. Mais là, ce style-là, ouais. Je sais pas, je veux votre avis quand même, mais là, du coup, le paysage et la japonaise, je vais rester dessus, ça, c'est sûr. À moins que je reste que sur deux HAED, ces deux-là. Et puis, bon, j'ai ma Simpuck aussi, donc je vais vous montrer. Mais là, j'étais un peu refroidie avec, avec le chat. Je sais pas, il y a un truc qui passe pas. Non, il y a un truc qui passe pas avec le chat. Dommage, mais ouais, je sais pas quoi faire. Je sais vraiment pas quoi faire parce que l'image en elle-même est très très belle, mais c'est vrai que c'est comme pour tout, comme pour les DP ou quoi. On voit une image, elle est magnifique, on adore, mais une fois qu'on commence à la travailler, des fois, c'est plus la même chose. Alors, dernière grande broderie. Alors, je vous dis, celle-là, c'est pas un HAED, mais je la considère presque comme un HAED, puisque je la travaille pareil. C'est ma Steampuck. Alors là, j'ai pas encore mis, mais je les ai fait hier, et là, ils ont séché toute la nuit avec la colle, et du coup, j'ai pas encore mis mes enrouleurs de fil, mais je vais les mettre dans la semaine. Voilà. Où j'en suis, bon, il n'y a pas grand chose non plus, hein, mais voilà, elle a quand même bien avancé. Alors là, c'est pareil, je vais bientôt arriver dans le chapeau, donc il va commencer à y avoir des motifs, tout ça, donc ça va être plus intéressant, malgré que là, là ça va, c'est pareil, c'est tout des bleus,
mais c'est nuancé. Voilà, c'est, je crois que c'est ce qui me fout. Et puis même le noir, c'est pas une... je reviens sur mon chat, hein, mais je vous jure, je l'ai de travers. Broder d'une grosse bordure noire comme ça aussi, ça me... Du coup, je sais pas, ce qui m'embête, je vous dis, c'est que j'ai acheté les grilles. Voilà. J'ai acheté les grilles et je sais pas quoi faire. Puis bon, ça c'est compliqué de les, enfin compliqué de les revendre, non. Et moi, je les ai en PDF, donc je peux les revendre, hein, mais malgré que, ouais, non. Je sais pas. Ah, je suis complètement, mais complètement indécise sur ce truc. Ça m'a vraiment perturbée. Mais bon. Donc, ma Steampunk, j'ai fait quoi dessus? Ici. Ma Steampunk, j'ai fait 406 croix. Donc, j'ai bien travaillé. Vous voyez, je travaille sur mes achats ED. Je bosse bien. J'aime bien. Et donc j'en suis à 0,90%. Bon, je n'ai pas encore les 1%. Mais je viens de la commencer, donc c'est normal. Voilà. Ben écoutez, je crois qu'en broderie, je vous ai tout montré. Là, on va tirer au sort les achats ED, du coup. Mais je crois que le tirage au sort ne servira pas. Alors, je ne sais pas. Ah, j'ai vraiment envie d'abandonner le chat parce que et broder quelque chose qui plaît pas, ça va pas le faire. Broder quelque chose qui plaît pas, ça le fera pas. Bon, alors bien sûr, il y a une pub. Voilà, hop. Alors, bah du coup, dessus, j'ai quand même la steampunk, la japonaise, le paysage. Il y a le chat dessus. Si le chat sort, on refera un tirage. Là, je fais un tirage, mais regardez, cette semaine, j'ai fait plus que ce que je devais faire. La japonaise. La japonaise. Et steampunk. Voilà, la japonaise et la steampunk. Je vais noter, mais bon, je vous dis, cette semaine, j'ai travaillé sur tout le monde. Donc, voilà. Alors, niveau broderie, bah, c'est tout. Je vais prendre 5 minutes, bah, pour ranger tout ce petit monde. Voilà. Et on se retrouve tout de suite. Voilà. Ça va me permettre en même temps de boire un petit thé pêche. Et je reviens. Pour vous, c'est tout de suite. Me revoilà, ça y est, j'ai tout rangé, j'ai juste sorti très peu de tricot. Alors, niveau tricot, ça n'a pas été la semaine tricot du tout. Manque de temps, et puis je tricote souvent le soir. Et du coup, le soir, ben, après la mauvaise semaine que j'ai eue la semaine dernière, ben, j'ai un peu le contre-coup cette semaine, donc le soir, je suis un peu flagada. Donc j'ai fait bien sûr ma couverture tous les jours, celle de cette année, celle de l'année dernière, non, j'ai rien fait, j'ai rien fait dessus, mais je suis à jour sur ma couverture 2023. Voilà,
Oups. Bon, ça, il y a, comme c'est du crochet, le point va se rattrapera. Hop. C'est ça que c'est bien le crochet. Vos points sont bons, vous les refaites, il n'y a pas de problème. Alors, il reste dimanche à faire. Sinon, ma semaine est faite. Alors, elle est où ma semaine? Voilà. Elle est où? Ah, elle est ici. Voilà, donc ma semaine est ici en maille serrée. Là, c'était la semaine dernière en bride. Voilà, voyez. Et là, je suis en maille serrée. Donc, il me reste une journée à faire. Donc là, pas de retard, rien. Voilà. Les couleurs, alors ça c'était au 1er janvier et voilà les couleurs que l'on a jusqu'à maintenant. Vous voyez, c'est pas encore folichon, hein, mais bon, on n'est pas encore non plus en été. Hein. Voilà. Mais elle est très jolie, toute douce, bon, elle est légère, je trouve. Bon, par contre, quand elle sera finie, je vais bien la mettre à, parce qu'elle est un petit peu déformée là pour l'instant, mais ça c'est pas grave. Quand elle sera terminée, je vais la laver, enfin, la tremper avec un peu de lessive spéciale pull, et je vais bien la mettre à, cherche le mot. La bloquer, voilà, je vais bien la bloquer pour qu'elle soit bien droite et tout. Voilà. Parce que là, je sais pas, des fois, j'ai l'impression que elle est un peu tordue. Vous voyez? Mais bon. C'est pas grave. Je l'ai déjà dit, avec moi, il n'y a rien de grave. Hein. Mais alors, un point. Voilà. Donc, je suis à jour sur ma couverture météo. Voilà, ça j'y tiens. Cette année, je tiens vraiment à ne pas prendre de retard sur ma couverture. Parce que là, sinon, c'est mort. Sinon, elle va être. Je ne ferai pas comme l'année dernière, être en retard de deux. Je sais plus, j'étais en retard de quoi? 3 mois, je crois. Donc là, il me reste un petit mois et demi à rattraper. Et elle sera terminée, mais voilà. Donc, sur celle-là, j'essaye de faire mon rang tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Souvent, c'est le soir avant souper. Ça me prend un quart d'heure. Je le fais, puis c'est fait. Alors, niveau tricot. Bon, désolée, la vidéo ne sera pas très longue. Hein, mais bon, je sais, il ne faut pas que j'arrête de, faut que j'arrête de dire que je suis désolée. Je fais ce que je peux. Voilà, je dis ce que vous m'avez dit. Niveau tricot, je n'ai fait que sur le pull de Chouchou et encore pas beaucoup. Pauvre Chouchou, il attend toujours son pull. À un moment qu'il est commencé. Hein. J'ai fait combien de rangs? J'ai même pas compté. On va compter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait 7 rangs. Honte, mais bon, voilà, mais ça va, hein, il s'agrandit bien. Tiens, je vais le garder par rapport, là il faut que je change la pelote par rapport au devant. Il est où, devant? Il est là. Hop, le non, le dos, ça c'est le dos, vous voyez. Alors, j'en suis où? Excusez-moi, vous ne verrez pas là. Mais je veux juste voir si j'arrive aux emmanchures. Ouais, je crois. Alors. Il me reste. Ouais, ça. Un petit 10 cm.
Est-ce que j'ai un mètre là? Non, je n'ai pas de mètre, bien sûr. Est-ce que j'en ai un là? Non plus. Non plus. Est-ce que j'en ai un ici? Ah, oh, ben ils sont où mes mètres? Bon, c'est pas grave. Ouais, il me reste à peu près. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Hop, voilà. Ici. Voyez. Donc, il me reste un petit 10 cm à faire et je serai aux emmanchures. Une fois que j'arrive aux emmanchures, ça va. Bon, déjà, on va faire les diminutions. Il y aura moins de mailles. Et comme c'est un col en pointe, alors le col en pointe, j'ai mis où les explications? Oh, elles sont toutes griffonnées, mes explications. Épaule en colure, est-ce que c'est devant ça? Non, ça c'est le dos. Devant, voilà, je suis là. Alors, les emmanchures, c'est comme le dos, bien sûr, donc j'ai les dimensions sur le dos. À 38 cm. Voilà. 38 cm. Et l'encolure commence à 48 cm. Donc l'encolure commencera 10 cm au-dessus encore. Et après, ben, là, ce sera les diminutions. Ouais, c'est ça. Là après je vais arriver, je vais faire la moitié, diminuer ma maille centrale et après je vais continuer et je vais faire un côté à la fois. Donc là ça va aller super vite. Quand on arrive là au moment des encolures, ça va vite. Et après il me restera donc les bordures d'emmanchures. Alors est-ce qu'elles se font directement? Ah oui, ça j'ai horreur. J'aime pas. Laisser les mailles en attente. J'aime pas faire ça. Parce que je ne sais jamais remettre sur le... Comment? Remettre sur l'ouvrage. Remettre. Alors. Poser à point arrière la bordure. Excusez-moi, c'est parce que je lis en même temps. En biais pour former la pointe. Ouais. Bon, de toute façon, après, c'est vrai qu'au niveau de l'encolure, je fais un peu à ma manière. Parce que les encolures en pointe, enfin, j'essaierai de regarder les vidéos sur mon bouquin. C'est peut-être expliqué sur mes bouquins. Je ne sais pas. Puis assembler les petits côtés en biais pour former la pointe. Bon, je verrai bien. Parce que moi, la dernière fois, sur mon pull à moi, je vais vous rappeler, j'ai fait un pull un peu le même style, mais en coton. Je sais pas comment. Alors. Ma bordure, voilà, arrivée ici, voilà, l'autre, pareil, je l'ai cousu, mais j'ai fait comme ça après, vous savez, j'ai croisé, et j'ai cousu là et là, donc ça me fait un col en pointe, mais croisé en bas, ça fait pas moche, donc voilà, je verrai, si j'arrive à faire ce qu'ils disent là, sur le pull à chouchou, je le ferai, si j'arrive pas, je le ferai à la manière d'Edith. Voilà, je m'embête pas. Non, mais là, je suis contente. Il me reste 10 cm. Après, je refais 10 cm et j'attaque l'encolure. Ah, c'est vrai. Je vais essayer de taper dedans cette semaine pour au moins en finir un de pull parce que ça, c'est pareil, je vous ai dit. Moi, les pulls, c'est,
Bon, j'ai dit ça, j'avais commencé le pull armé là. Je ne vais plus au fur et à mesure qu'ils vont être finis, là, je vais attendre. Et après, j'en commencerai un à la fois. Voilà. Ras la casquette de commencer plein de trucs, mais surtout en tricot. En broderie, c'est pas pareil. Mais en tricot, c'est commencer plusieurs ouvrages. C'est pas, j'aime pas. Bon, allez, on va. Du coup, ben, en tricot, c'est tout. Je sais, je suis très mauvaise là-dessus. Il faudrait que j'essaye de mettre, consacrer une après-midi, une soirée. J'essaye de faire des trucs pour aller plus, pour avancer plus vite, mais j'arrive pas en tricot. Allez, on va quand même faire des tirages au sort pour voir ce qui va nous sortir. Ah, le pull camionneur. Je devais déjà le faire cette semaine et je ne l'ai pas fait, mais bon, c'est pas grave. C'est pareil. Bon, là, je suis en train de faire les manches, donc ça va, hein, mais il va falloir qu'après je reprenne le devant. Et un deuxième. Puis le chouchou, puis le chouchou. Ah non, puis le fil d'art. Le pull fil d'art. Bon, lui, c'est pareil, je suis sur le devant. Donc. Et lui, il avance vite. Enfin, il avance. Quand je me mets dessus, il avance plus vite puisque là, la laine est plus grosse. C'est pareil, hein, comme le pull à chouchou, là. Oh, la fine laine, c'est. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Bon, ben voilà, hein, mes gens, comme on dit dans le Nord. niveau tricot, ben ça y est, c'est tout. J'ai rien fait d'autre. Enfin, je suis désolée. Non, je suis pas désolée. Je suis désolée, pour moi. Parce qu'il faut vraiment que je les termine, ces pulls. En sachant que, je ne sais plus si vous vous rappelez, j'ai en haut le pull cache-cœur que j'avais commencé, mais sur lequel j'ai vu qu'il y avait un petit problème arrivé en haut, donc je l'avais laissé de côté, mais celui-là, c'est pareil, il faudra que je le ressorte pour le finir. Mais il va bien faire, par contre, à tricoter le pull cache-cœur. Voilà, bah écoutez, le challenge, je ne vous ai pas parlé du challenge. Alors, le challenge, je dois faire, enfin, perso, je dois faire 3000 croix par semaine et je l'ai largement dépassé cette semaine. Vous voyez, malgré que je n'ai pas brodé toutes mes broderies, je suis arrivée à 3680. Oh, 3690 croix cette semaine. Voilà. Donc, challenge bien rempli. Donc, c'est super. La semaine prochaine, donc, il y aura bah, toujours mon petit challenge des 3000 croix. Pour les achats ED, donc, j'ai tiré au sort la japonaise et la steampunk. Mais rien ne m'empêche de travailler sur le paysage, hein, si j'en ai envie, et si j'ai du temps. Les estampés, ce sera la Dame de Noël et les lapins. Et ensuite, alors j'ai toujours les mêmes broderies, mais il faudrait que j'avance en priorité. Le sale All Forest de Julia, parce que j'ai pas travaillé dessus ce mois-ci. Il faudrait que. Alors, je vous dis d'abord les priorités. Le sale All Forest de Julia, le colibri,
Le colibri, ma broderie Nouvel An, voilà, le sale du Nouvel An. Ensuite, il faut que je termine. Alors, il nous restera, on sera 4 jours. Ou on sera déjà presque à la fin du mois. Ça va aller jusqu'au 28 cette semaine. Et donc, après, il restera 2 jours. Donc, il faut que j'essaye de terminer également l'étape des ours de Noël, Old Forest. La maison météo, je compte pas puisque ça, je le fais une fois par semaine. Je me mets à jour une fois par semaine. Donc, ça, c'est bon. C'est casé. Le sale du Nouvel An. Terminer l'étape de mon Alice au Pays des Merveilles. Alors, terminer l'étape du colibri, ça va être compliqué parce que je suis toujours sur l'étape 1, mais je déborde sur l'étape 2. Donc, on va essayer de terminer, mais pas sûr. Le sale mystère, bah, écoutez, j'ai dit que je voulais faire. Non, excusez-moi, que je voulais faire l'étape 5, 6, non, 5. Je veux faire l'étape 5, donc au minimum. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans les salles? Des ours de Noël, donc il faut que je termine mon ours. C'est vrai que là, cette semaine, je vais essayer de taper au maximum dans les salles. Donc le sale mystère, le colibri, le Alice au Pays des Merveilles, Nouvel An, maison météo, ça oui, mais je suis toujours à jour. Le Old Forest de Julia et les ours de Noël, Old Forest. Voilà. Donc ça me fait déjà 7 broderies sur lesquelles il faut absolument que je bosse dessus et que j'avance au maximum pour être à jour. Certaines, bon, ça va être compliqué, mais bon, on va essayer. Et ensuite, il me restera, si j'ai du temps, bah les autres, hein, le héron, le paon. Le paon, ça, je crois que je travaillerai dessus. Je le fais à chaque fois, chaque semaine, hein, voilà. Le toast, il faudrait que je le termine aussi. Il n'y a plus grand-chose à faire, donc il faudrait que je m'avance pour essayer de le terminer au max. Pour ça, il faut que j'essaye de. Il y a des broderies qui sont, pour ainsi dire, terminées. Les carottes, les toasts à l'œuf. Si je pouvais terminer ces deux-là déjà, ce serait vraiment top. Ça ferait 2 broderies en moins. La grenouille, il y a encore du taf sur la grenouille quand même. La grenouille, je crois que j'ai quand même encore du boulot, hein, dessus. Le Bouddha, pareil, il y a encore du boulot. Donc ça ces deux-là ne seront pas terminés ce mois-ci. Et d'ici fin mai, il faudrait que j'essaye. J'essaye de les terminer d'ici la fin du mois de mai. Le paon, ça, j'en ai encore pour longtemps. Le héron aussi. Donc ça, je le fais au fur et à mesure. Voilà. Mais il faut que je me mette à jour sur les autres salles et avancer à max, à max, à max. C'est pareil, le sale de Julia, je voudrais l'avancer, mais vous savez, vraiment fort pour, même si je l'ai fini avant tout le monde, ce serait un miracle pour une fois, mais au moins ça me fera encore une broderie en moins. Voilà. Parce que j'ai d'autres broderies, vous savez, j'ai Caroline Manning qui m'attendent. Voilà. Et donc, ouais, on va faire ça. Et au niveau des achats ED, ben, je vous dis, le chat, je ne sais pas, j'ai un très, très, très gros doute. Je ne sais vraiment pas quoi. Je ne sais pas quoi faire. J'ai un énorme doute là. Je crois que j'accroche pas dessus.
Et ça m'embête parce que je l'ai acheté, j'ai acheté celui-là, j'ai acheté. La licorne encore, bon, peut-être, ça, je sais pas. Bon, puis la licorne, c'est Chouchou qui l'a choisi, donc ça m'embêterait de ne pas la faire. Mais le chat, du coup, j'ai un très, très gros doute. Bon, on verra. Mais donnez-moi votre avis quand même. Je voudrais savoir ce que vous en pensez, ce que vous feriez à ma place. Voilà. Et je voulais dire un autre truc, mais je sais plus. Je sais plus. Il est bientôt 23 h. On a quand même dépassé les 1 h 40. Voilà. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui, le journal créatif de cette semaine, vous aura plu. Bon, malgré qu'il y a pas eu beaucoup de tricot dedans. Voilà, le DP arrive à la fin. Mais bon. Dites-moi ce que vous avez pensé de ma vidéo. Si vous avez toujours si vous avez des suggestions à me faire pour le journal créatif ou des choses que vous voulez que dites-le moi. Donnez-moi votre avis pour la broderie, le HAED du chat. Voilà. Et en attendant, moi, je vais vous laisser. Je vais aller mettre mon pilou-pilou. Aller me mettre sous la couette. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous. Thank you.